C'est Saturne pour les émissions spéciales de Fort Boyard, spécial Halloween. Nous sommes en compagnie de Charles L. et Tony 360. Salut, salut. Donc, Bonjour. ils seront les concurrents. Donc, vous pouvez prendre les têtes de dragon qui sont au-dessus de vos têtes. Donc, ce sera 3 000 qui va falloir miser sur différentes épreuves. Prenez la dernière. Donc, vous allez les miser sur quel type d'épreuve? Donc vous pouvez y aller. La nage. Pour moi, ça va être de la bière. Bon. Et la dernière. Recherche. Donc, c'est parti. Nous partons à la première épreuve qui sera le boyard de dragon. Donc, le boyard de drôme, il faut aller chercher trois drapeaux et les mettre dans le fond en compétition. Donc, ce sera contre Tony 360 que je devrais garder la clé. Donc, nous commençons tout de suite. Donc, c'est parti. Go, ouvre la porte. Plusieurs à la fois. Non, c'est un à la fois. Tu me diras quand tu auras mis les trois pour sauver du temps. C'est bon, j'ai mis les trois. Bon, donc c'est gagné pour Tony 360. Donc, première clé pour vous. Donc, nous partons au Boyard Train. Donc, nous sommes arrivés à Boyard Train. Donc, il va falloir que tu poses la main carte sur les grilles de fer jusqu'à la porte pour prendre la clé. 3, 2, 1, c'est parti, c'est 1 minute 30. Donc, tu peux reprendre la main carte. Tu peux remonter. Tu peux remonter. Pour l'instant, ça sort plutôt bien. Il te reste 1 minute. Tu peux rentrer dans la porte. Non, mais repose pas le minecart. La clé. Tu peux ressortir. Donc, c'est réussi pour ce boyard. Donc, nous partons à la ketchuperie. Donc, nous sommes arrivés à la ketchuperie. Donc, c'est Tony 360 qui va la faire. Tu devras apporter 3 tomates à l'autre extrémité. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, c'est une tomate à la fois. Donc pour l'instant, tu t'en sors plutôt bien. Donc c'est la deuxième tomate. C'est la dernière tomate, il te reste 45 secondes. Malheureusement, tu es tombé.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est malheureusement terminé. Tu es prisonnier, donc il va falloir qu'on... on va perdre 15 secondes dans la salle du trésor, donc on te sort quand même. Sors. Donc, nous partons à la prochaine épreuve qui sera la caserne. Donc, nous sommes arrivés à la caserne. Donc, c'est Charles qui va la faire. Il va falloir que tu attrapes les coffres au-dessus. Tu as une minute. 3, 2, 1, c'est parti. Bon. Donc, c'est remporté pour cette caserne. Donc, bravo à toi. Donc, nous allons partir au manoir. Donc, nous sommes arrivés au manoir. Donc, c'est Tony 360 qui l'a fait. Il faut que tu recherches la clé dans le manoir. Et c'est l'épreuve que vous avez misée. 3, 2, 1, c'est parti. Une minute. Et tu recherches bien partout. Hein. Charles, sors de la cellule. Il y a une autre cellule à côté, hein. Trente secondes. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Donc, tu n'as pas remporté la clé pour ce manoir. Donc, la tête de dragon est perdue. Donc, nous partons à la machine à remonter dans le temps. Donc, Charles, elle, je t'inviterai à monter dans la vigie. Donc, tu vas affronter l'une des pires épreuves de la saison 5, la salle des coffres inondés. Donc, tu devras entrer dans cette machine pour y accéder. Donc, bienvenue dans une épreuve de la saison 4, Charles-L. C'est parti. Donc, il faut que tu ramasses les coffres. Tu as 2 minutes. Une minute. J'ai trouvé la clé. Bon, tu peux ressortir, tu vas re-rentrer dans la machine. Donc, re-bienvenue dans le présent, Charles-L. Donc, vous allez sur la petite plaque. Donc, il y a des petits problèmes d'infiltration d'eau, la machine ne marche plus. Donc, allez sur la plaque et tombez.
Donc, nous partons pour la prochaine épreuve qui sera la chambre froide. Donc, nous sommes arrivés à la chambre froide. Donc, c'est Tony 360 qui l'a fait. Donc, tu devras faire des jumps de glace. Ça commence dans 3, 2, 1. C'est parti, c'est une minute. Non, non, tu peux toucher le sol. Il faut juste que c'est des sauts de glace. Donc là, il faut que tu sautes sur la glace. Donc là, tu sautes dans la cuve pour aller prendre la clé qui va être dans le fond. 30 secondes. Donc, c'est Russie. Donc, nous partons vers le spa nordique. Donc, nous sommes arrivés au spa. Donc, c'est Charles-El qui va la faire. Donc, mets-toi dans le premier spa. Tu es accompagné de quel poisson? Poissons tropicaux, des saumons ou des morues? De la morue. Et c'est une bonne réponse. Tu peux passer au deuxième spa, qui est dans le fond. Donc, la deuxième question. Quelle épreuve que vous avez faite, quelle est la deuxième épreuve que vous avez réalisée dans l'émission? Boyard train, la banque ou la machine à voyager dans le temps? Boyard train. Et c'est une bonne réponse, vous remportez la sixième clé. Donc, bravo, tu as gagné. Ça prenait deux réponses. Donc, nous allons aller à la dernière épreuve qui sera le temple maudit. Donc, c'est parti. Donc, le temple maudit, c'est Tony 360 qui l'a fait. Non, mais il faut que tu fasses sur le côté de la cloison. Ah. Faut que tu reviennes. Et c'est une minute, hein. De l'autre côté. Trente secondes. Il faut que tu reviennes par le même chemin, hein, 41. Neuf, huit, sept, c'est réussi. Donc, vous avez les 7 clés. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez et commentez. Et bye bye, et suivez la deuxième partie de ce spécial.